Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode de Little Big Workshop. Alors, cette fois, on va farmer pour acheter nos machines en métal. Donc, il nous faut à peu près 40 000, un peu plus. Du coup, on va voir ce qu'on arrive à faire dans cet épisode, s'il en faut un ou deux. S'il en faut deux, peut-être que je finirai toute seule de mon côté parce que le farm, ça va bien 5 minutes, mais je pense que ça va vite vous saouler si je fais 2-3 épisodes de suite. La dernière fois, du coup, on avait construit notre grande salle d'assemblage ici, notre salle de pause. Et on avait pu éteindre un peu, du coup, faire une grande salle pour nos machines à métal. Et comme ça, on a pu alléger la petite salle plastique et décaler la petite salle peinture. Ah, il y en a un qui a glissé. J'aimerais bien quand même dans cet épisode avoir assez d'argent pour acheter peut-être une deuxième zone ici. Bon, après j'ai plus de place pour embaucher des transporteurs, mais je pense que ça peut marcher quand même. Tiens, d'ailleurs j'ai pas regardé, on avait des points à placer. Du coup on a travail du bois 2, on avait marketing. Les clients offrent tous un contrat en plus, mais bon, ça on s'en sert pas trop. Spécialiste de l'assemblage. Ah, ça aurait pu nous servir si on avait débloqué ça avant d'installer peut-être nos machines. Et ça, lien au placé. Réduit les prix de la location de 20%. Réduit le prix des parcelles de 40%. Ah, c'est pas mal ça. Mais bon, on n'a pas assez de points. Spécialiste de l'emballage, on n'a pas forcément besoin. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. On verra quand on aura plus de points, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis quand on aura plus avancé, du coup, aussi dans nos paliers. Parce que du coup, il faut qu'on fasse 50 produits intermédiaires, donc en moyen. Là, on va pouvoir d'ailleurs lancer. Bah, tiens, quand les tables seront finies. Ah, j'en avais relancé. Bon, c'est pas grave. Quand toutes les tables seront finies, on pourra commencer à lancer un peu des catapultes, des projets un peu plus gros qui valent un peu plus cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup dans notre palier? Et obtenir une réputation de niveau 3 avec minimum avec un client. Alors qu'est-ce que ça donne nos clients? Lui il est niveau 1. Lui il est niveau 2, donc c'est peut-être lui qu'on fera passer niveau 3 et lui on n'a même rien fait encore. Ok. Donc on fera sûrement monter celui-là. Zwickia. Ok. Alors. Où on en est? Les chapeaux, ça avance bien. On va accélérer un peu. Du coup, j'ai refait aussi une salle. Du coup, on a deux salles de pôle. Donc une à 40 et une à 42. 42, ça doit être celle-ci. Et on a pas mal de café de rame, donc c'est pas mal. Bah du coup ils s'en servent, ouais, ils s'en servent pas beaucoup de celle-ci. Mais bon, quand on aura agrandi de ce côté-là ou de ce côté-là, ou qu'il y aura moins de café ici, ils seront peut-être bien contents de pouvoir venir ici. Puis il y en a, il vient faire sa pause tout seul dans son coin. Le pauvre. Alors. Enfin je dis le pauvre, mais il y en a qui sont un caractère qui aiment pas trop quand il y a du monde. Un peu comme moi. Hop. Alors, on ralentit. On va livrer et on va relancer. Du coup, là, j'enlève combien? 20? Ouais, c'est ça. Ils en demandent plus que 5. On va attendre un petit peu que le marché se relance. Alors, avant de faire, peut-être. Parce qu'en lancer 5, ça sert pas à grand chose. Hop, on va réparer un peu des machines. Hop. Ok. Oula, la machine peinture, et celle-là, elle bosse. Hein. On n'a pas trop de projets en attente. Je pense que ça. De toute manière, j'ai pas assez d'ouvriers pour toutes mes machines. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. D'ailleurs, c'est quand qu'on pourra avoir des gens. C'est quand on aura débloqué du coup notre palier. Ok. Hop. On peut avancer.
On n'a pas beaucoup de projets. Je crois qu'il y a un peu de métal, mais pas beaucoup. On n'a pas de projet avec beaucoup de métal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais attendre qu'il se relance pour voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Donc on va pouvoir relancer nos poupées. Hop. On va relancer une vingtaine. C'était les chapeaux aussi que j'attendais pour pouvoir relancer. Hop. Du coup, alors full bois, on a dit qu'on voulait essayer les catapultes. Hop. Ah, c'est déjà tout créé, c'est pas mal ça. Il est possible de lier plusieurs opérations d'un coup. Oui, ça je le sais déjà. Donc, hop, bois clair. On va mettre le moins cher. Hein. Hop. 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 Ah, il nous manque une machine. C'est quoi? C'est la fraiseuse à 2000. On a quoi se la payer? On va se la mettre là. Hop. Non, ça, parce que je veux vous lier à cette machine-là aussi. Ok. On revient sur notre plan. Voilà. Hop. Coupe droite. Hop. On associe tout ici. Ensuite, on a pas mal de colle. Hop, ici. On aura peut-être besoin du coup de plus d'une machine à colle, peut-être. Celle-ci qu'on s'est pas encore servie. On a que deux, ok. Hop. Voilà. Les coupes arrondies là-haut. Ça c'est l'assemblage et du coup ça c'est la fraiseuse ici. Et l'assemblage, du coup, on va le mettre ici. Hop, on va en lancer 5, je sais pas trop comment ça va être. Hop. Il y a beaucoup de choses à coller quand même. Ouais, on en a quand même pas mal, hein. Je pense que ça mériterait une deuxième machine. Je vais te pousser un peu plus là. On va faire ça. Du coup. Hop, on a des poupées qui se vendent. C'est bien ça. Du coup, la colle. Et on va se mettre un petit panneau. Mais du coup ils vont recommencer à glisser quoi. Hop, on commande. Ça au poste de colle. La zone bleue au tableau là. Et du coup toi tu vas tout donner au tableau. Parce qu'il faut que tu puisses partager entre tes établis. Hop. Hop. Et le dernier. Voilà. Ok. Du coup, on a notre plastique et notre couture. Là, on a le bois. Ok. Et donc, je voulais voir. Ouf. Je voulais voir du coup pour
un objet moyen qui serait full métal. Ça pourrait être pas mal ça. Combien ça coûte? 280. 600, oui, il y a celui-là à 700. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire? On va le faire full métal. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, ok. Donc on va partir là-dessus. Ah non, il nous manque des machines. Ok. Il nous manque des machines. Et si on fait l'autre? Non, je veux pas ça, je veux l'autre. Et lui? Est-ce que c'est pareil? Je pense que oui. Ouais. Du coup, non. C'est quand on aura nos machines full metal qu'on pourra relancer. Donc, on va relancer des snowboards. Hein. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ça rapporte pas mal. Ah oui, mais ça, il faut l'injection plastique. Ah, on commence à être un peu bloqué. Hein. Ouais, bon, bientôt, on va pouvoir les acheter, toutes nos machines. Ça vaut plus quand même. Hop, voilà. Ouvrir, livrer. Ouf. Un peu trop haute. Ok, donc voilà. Catapulte 17%, ça a l'air d'avancer pas mal. On a l'air d'être bien là. Niveau colle, ça avance un petit peu. À l'assemblage, ça attend. On va peut-être se mettre deux étagères et faire une deuxième zone ouverte. Parce que je me dis que ma catapulte, elle va peut-être pas bien rentrer là. J'ai 5 catapultes quand même à expédier. Hop. Pour le plaisir, on va se faire une deuxième zone de charge. Hop. Commander. Voilà. Et donc. Nécessite une autre. Ah oui, parce qu'il l'a pas installé encore. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Entrée-sortie, comme ça, ce sera un peu plus. Un peu plus simple. Ici, on répare. On est pas mal, on est pas mal. On était à 600 gains, on est passé à 500, ça va. Ici, on est pas mal. Il y a toujours ça qui est pas bon. Hein. Mais je pense que ça ira mieux quand on aura plus de transporteurs. Allez! On avance un peu plus vite. Ça commence à faire fourmiller. Hein. On les voit courir un peu dans tous les sens. La catapulte, ça avance ici. Hop. Il y a tout qui avance pas trop mal. C'est vrai que du coup notre salle métal elle est pas bien exploitée pour le moment. C'est pas comme la salle plastique, on a vraiment plein de choses à faire.
des trucs full plastique ou beaucoup de plastique à faire. On répare quand même un peu. Pas faire exploser les machines en pleine face de nos petits ouvriers, ça serait dommage. Hop. On va lancer un peu de réparation un peu partout. Il y a des machines en plus qui servent pas, donc réparer c'est pratique. Hop. Ok, les poupées sont bientôt finies. On va relancer un peu. J'en ai 20, je peux en refaire 20. Ah, je peux livrer mes catapultes. Bon bah c'est pas mal, on va peut-être pouvoir en faire un peu plus. Parce que du coup mes 5... Ah oui, quoique. Ouais, si, ça ira je pense. Par exemple si on déplaçait ça sur un angle. Ah, le temps que je vais déplacer le truc, ils ont mis un objet. Voilà, là. Hop, on livre les poupées. J'en ai relancé des poupées, c'est bon. On a un coup de fil. Depuis quand avez-vous dépassé ma filiale? Donc, comment elle s'appelle? Tweakers Brewery. Oh là là, c'est compliqué à dire ça. Peu importe, je vais vite remettre votre atelier à sa place. Donc voilà, on a dépassé une filiale. Ouais, mais ça fait un moment, hein. On est quand même 6ème par rapport à lui qui est 11ème. Ça fait un petit moment quand même qu'on l'a déplacé. Mais du coup, la dernière fois on avait regardé, on était 13ème, il me semble. On est quand même déjà 6ème. Bon, on est pas mal. Allez, on continue. Ah oui, j'ai mis un truc un peu plus grand. Du coup, il y a la place. Okay. Hop, on livre les chapeaux. Bon, on va faire 19. On va faire 19. Hop. Voilà, mais du coup, est-ce que l'import-export se passe bien? Ouais, ça va. Hop, on va pouvoir relancer les snowboards. Préparer, exécuter. Hop. 50 000, on est pas mal, on est pas mal. On va attendre un peu plus, il nous fallait 40 000 il me semble. Donc on a largement de quoi faire. D'ailleurs, par exemple, la machine plastique, on peut déjà se l'installer. Vu qu'il n'y a qu'une machine, comme ça, on se focusera plus sur les machines à bois le prochain coup. Hop, livré. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On se fait pas mal d'argent là en ce moment, ça fonctionne bien. Je pense que les catapultes aussi ça aide. Et quand on aura toutes nos machines métal, on a des petits projets full métal qu'on pourra lancer. Du coup ça sera pas trop mal. Faudra aussi qu'on pense à passer notre palier pour pouvoir avoir plus d'ouvriers. On est pas mal du tout. Hop, ça court un peu partout. Ok. On les entend papoter. C'est vrai qu'ils se déplacent quand même beaucoup. Faudrait plus de ce transporteur, je pense.
Allez regarder travailler un petit peu, un peu en détail, voir qu'est-ce qu'ils font. Il y en a un qui répare. J'ai bien fait de faire une deuxième salle de pause hein, parce que la première elle a l'air d'être un peu short en café. Hop, ça travaille dur. Wally Wallou. Bon, on en est à 51 500. Je pense qu'on a pas mal farmé là pour cet épisode. Je vais vous laisser du coup là-dessus pour cet épisode-là. Du coup, la prochaine fois, on se débrouillera pour installer, peut-être agrandir encore un peu, peut-être la salle, ou faire une petite salle derrière, je sais pas. Pour installer juste ça dedans, peut-être. Mais du coup, on installera, on achètera et on installera nos machines métal, parce que du coup, plastique, il y en avait qu'une, on l'a déjà mis là, un peu d'avance, parce qu'une seule machine, c'est pas très, ça peut pas remplir un épisode, hein. Donc on est pas mal, voilà voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!